Ça fonctionne toujours super bien. Moi je suis très open tir. C'est bon, je l'ai eu, tout va bien. Tu as faim parce que tu as un toxico tant qu'héros au glucides. Ah, c'est vrai qu'une petite pizza avec des glucides là. Ce serait pas mal là, franchement. Je pense que Gnar c'est bien. Lulu 3 c'était bien aussi hein. J'étais content de Lulu 3, blague à part hein. Tu vois, je pense qu'avec une petite augmente Lulu ou Poppy en début de partie, je pense que c'est vraiment trop bien. Voilà quoi. Ça rend très fort à mon avis. Wouah, la pelouille de thunes que j'ai. Bon, j'ai vendu luxe. Cela dit, ils ont up luxe. Et un monde de luxe, c'est vraiment un vrai perso maintenant. Bon, fuck les Kayle. Hein. J'ai jamais acheté Sivir aussi. Fuck les brawlers, peut-être sinon. Fuck les brawlers ou fuck les défenseurs? Ouais, je suis un Poppy Angelier actuellement. J'ai appris hier que les glucides seraient 8 fois plus addictifs que la cocaïne. Source. T'es quêté mon ref. T'es quêté Bon, je prends pas si bien, tant pis. Ah! Bon, quand on parlait d'augmente Lulu ou Poppy, c'est maintenant. Bon, j'ai pas le stuff pour jouer Nasus. Ah, je suis pas fan de celle-là de Lulu. Alors, il y a le Lucian que j'ai joué tout à l'heure qui était super fort. Je récapitule. Hein. Vous gagnez Lucian à chaque combat, vous gagnez 2 d'expérience la première fois qu'il lance un sort. Et après, toutes les 3 fois. Bon, je le retente, le Lucian? Allez, je le retente. On fuck les brawlers. Bon, y'a pas pour. Y'a pas de velléité à faire les level 3 là, on est d'accord. Hein. Nope, je pense pas. Est-ce que je push pour rentrer Panthéon? J'ai fait une game Jax top 2 tout à l'heure. J'ai fait Jax, j'ai fait top 4 je crois, ou top 3. C'était pas mal en vrai. Mais j'ai fait Lucian, et en vrai ça donne beaucoup d'XP. Mais bon, l'idée c'est quoi? C'est de lui faire porter le stuff de Kai'Sa ou le stuff de MF? T'as joué quel setup Kai'Sa, quel flow? Donc là il a casté une fois, donc j'ai gagné 2 d'XP, voilà. C'est bon, il avait déjà casté une. Il recaste. Faut que tu recastes encore mon ref, allez, allez. Voilà, donc là s'il recaste une fois, ça veut dire que j'aurais récupéré 4 d'XP sur un fight. Voilà, bim. Donc là j'ai récupéré 4 d'XP. C'est fort quand même hein. 4 weak draw backlane. J'avais un plus 1. Ah t'avais Mecha en front? Ah ouais. Ça va être pas mal avec Mecha j'avoue. Ça va être pas mal en vrai. Bah du coup je peux juste push en fait là. Comme j'ai gagné 4 d'XP. Voilà. Ce serait une Lulu. Ou on pourrait rentrer plus de front. Genre pour tenir plus longtemps le fight et comme ça on augmente nos chances de stacker avec Lucian. Personne a le hook. Il y a deux Blitz mais c'est pas le hook. Tu mets Blue Buff? Je pense pas parce qu'on veut pas jouer Blue Buff dans la compo. Mais on peut on peut lui envisager, je vais arriver MDR, de lui mettre Shojin. Mais là, vous voyez, à son premier cast, il a pas stacké. Vous avez vu, il a stacké à son deuxième cast, je comprends pas. A chaque combat, vous gagnez un peu d'expérience, c'est quoi sur les siennes? Oh, c'est compétence. Je comprends pas parce que. Tu vois, là, le prochain cast, ça va être son quatrième. Et j'aurais gagné que. Ah non, c'est bon, ok. J'ai gagné 4 d'XP encore. Bon, c'est fort, hein, ça veut dire. C'est que... Non, mais c'est quand même broken, on est d'accord là. C'est pas 2 d'XP tous les 3 casts. Y'a du ping. Je suis pas sûr. C'est
crack vocal en vrai, désolé. Oh, le nombre de paires que j'ai. Non mais attendez, c'est incroyable ce qui se passe là. À un cast il rapporte 2 d'XP, à 4 castes 4, enfin 2 de plus, à 7 castes 2 de plus, c'est comme ça que ça marche. Oh, c'est insane en vrai. Là j'ai gratté 8 d'XP déjà dans la partie. En plus il a pas de dégâts. Tu vois là il casse une première fois et ça donne pas 6 d'XP. Ça donne pas plus 2 d'XP, je comprends pas. Et là il casse une deuxième fois et ça donne 2 d'XP. Il y a un truc que j'ai pas compris. Donc là il a cassé 2 fois. Ok. Là 3. Et là normalement la quatrième fois il est censé me redonner 2 d'XP. Bah non putain, mais il y a un truc. En fait j'ai l'impression que le premier spell compte pas. Donc là il va casser 5 fois. Par contre j'ai perdu, ça casse les couilles en vrai. Je pense vraiment que j'allais gagner. Bon encore 4 d'XP. Je crois que c'est 2 d'XP tous les 3 casses, ce que disait Mord Dog. Ok d'accord d'accord ok. C'est juste que c'est mal traduit en français quoi en gros. C'est peut-être ça hein. Encore la discrimination envers la France. Terrible. Ouais, c'est crétin. Avant c'était 1 d'XP tous les deux castes, non? Attends, mais je vais regarder la version Mord Dog, attends. Oh, j'ai TF! Et Shed! Attends, mais là j'ai 5 Infinity, mais en gros quoi. Woot! Non, il manque Sivir, MDR. Mon dieu. Alors, la version. Alors, la version en anglais, ça donne. Et ça, en gros, c'est 2 d'XP tous les 3 castes. Mais ça se cumule d'un fight à l'autre, c'est ça en gros. 2 d'XP tous les 3 castes. Très bien. Et du ça stack l'XP aussi. Non, c'est le Lucian le plus fort, c'est. Et donc là, l'idée c'est qu'on a une capacité à tracer 9 qui est assez intéressante pour la compo du coup. Du coup, fuck Rel, je garde Poppy. Je mettrai Garen après. Là, en gros, je suis quasiment 6. Enfin, je vais être 6, 40 gold au golem quoi. Oh, salut Yun, ciao ciao. Y'a un monde où faut pas slam le spell crit pour avoir moins de dégâts et que les failles durent plus longtemps. Non, je pense pas, je pense que la priorité ça reste de gagner les fights, je pense en vrai. En fait, il faut jamais s'affaiblir exprès, je pense, sur TFT. Modulo pour la loose trick sur un round, mais sinon. Et en gros ça se cumule, en gros si pendant un fight j'ai fait deux castes, le fight d'après, les jaloux qui viennent ping, c'est clair c'est des jaloux. Le fight d'après, je en un cast il récupère de l'XP, je pense que c'est ça l'idée en fait. What? Mon dieu, c'est si broken. Donc là il faut que je trouve une civière. Autrement que c'est des jaloux dans la game le chat, tous des jaloux en vrai. Non, par contre, si on n'a pas l'aspect. Alors, ça a été up 5 multivers, c'est passé à 60%. Donc, ils ont quand même 62 portails, ils ont quand même 60% de PV et de dégâts, c'est beaucoup. Et le 7 a été encore up, c'est 95% quoi. Ah, c'est vrai que ça stack sur le PVE. Kuma de Nico. Donc, t'es sûr que ça stack pendant le PVE? J'ai un doute en fait. Ouais, ça stack le PVE ça. Clairement. On a une civière. Chaîne 2, ah d'accord. Très bien. Très bien. J'achète.
Y'aura des strats de fou pour opter le PVE. Non, je pense qu'il y a des trucs à faire, je pense. Hein. Mais en vrai, non, mais ouais, à quel moment il se peut que je fasse pas top 1 dans cette game, quoi. Bon, ouais, si, j'aurais peut-être pas dû rentrer la belle bête pour l'augmente. Parce que limite, avec 5 persos, c'était suffisant pour gagner, quoi. Je fais pas Shojin du coup, parce qu'à un moment donné, il va falloir passer le stuff de Lucian sur TF. En fait, là ce que le Lucian m'a déjà apporté, c'est suffisant, ça sert à rien de faire de la merde avec les items. Genre là, on a déjà tellement d'avance. En soi, si tu derres pas la game, elle est déjà gagnée à ce moment-là de la partie, quoi. Ouais, déjà top 2 assuré, quoi, tu vois. Bon bah. GG. Ces deux cas sont front, c'est ce que c'est le plus fort, je trouve, en vrai. Du coup, là, il faut juste qu'on aille chercher. En fait, on peut aller direct level 9, je pense. Hein. C'est la game YouTube. Ah oui, on avait dit que si on faisait une game qui allait pour YouTube, on montrait la photo de Marlène Schiappa dans Playboy. Attention, vous êtes prêts? Olé! En rouge et noir, j'ai géré ma peur. Elle n'est plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Il y a pas de noir, mais. Voilà, c'est cadeau pour YouTube. Donc là, maintenant qu'on est à la deuxième augmente, mes copies de multivers récupèrent deux items. Et ils ont 60% des PV, donc c'est fort. Charge les deux S. Alors, ils ont up. Ils ont up parallèle, qui est la synergie des deux S read. Donc normalement, c'est censé plus up. C'est censé plus up le ultimate Ezreal maintenant. Putain, c'est bien pour moi ce blitz. Merci Davison pour le sub. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Hein. Un abonnement, ça soutient la France. Et en plus, là, c'est un abonnement qui passe sur YouTube. Hein, parce que là c'est clairement une game YouTube, ça, les amis. Où je m'y connais pas, croyez-moi. Là, c'est une grande game YouTube, ça. Bon, je perds étonnamment. En même temps, son. Enfin, étonnamment. Ouais. J'ai gratté tellement d'XP, bordel. Mais oui, là, tout de suite, j'aurais gagné avec le Ezreal, je pense. Je suis déjà level 7 presque. Non, mais là, il faut pas qu'on s'arrête avant le level 9, ça c'est clair. Parce qu'on cherche Ezreal et Fiddle. Parce que le but c'est de donner la spat multivers à Fiddle et d'avoir deux Fiddle 2 du coup. Grosso merdo, c'est l'objectif. J'ai gagné 6 oui, dans le fight d'avant, j'ai gagné 6 XP en un fight. C'est complètement fou en vrai. Parce que ça reste une augmente pour les persos one cost. Donc en vrai le setup est dingue là pour le coup. En ce moment, on commence à perdre les fights un peu. Bon, c'est un peu normal, je pense qu'il s'essouffle l'autre. Mordeux mieux que Fiddle? Ouais, Fiddle ou Mordeux, c'est kiff kiff la bourrique. Les deux sont très bien. Tu peux jouer le stab Infinity et en setup Quick Draw, voire même Renegade. Ouais, absolument. Ouais, c'est vrai, ça. On va faire un statique là. Alors c'est votre Lucian, il n'y a que un Lucian qui fonctionne. Il n'y a que un Lucian qui fonctionne avec cette augmente. Non mais en fait faire un stuff spécifique qui sera porté par aucun perso en late game pour stacker, ça vaut pas le coup quoi. En gros. Globalement. Ça vaut pas le coup du tout. Je pense qu'il faudrait déjà remove le stuff sur TF éventuellement d'ailleurs. Potentiellement. Genre c'est peut-être déjà plus fort sur TF là.
Bon, en vrai, non, parce que le fait qu'il a un peu plus d'attaque speed avec le statique, il casse plus, c'est bien, ouais. Et apporte de l'XP encore. Et... Wouhou! Bon, bon, on gagne, hein. Ils servent à quoi les orbes bleus et or? Tu veux dire les petites boîtes, les petits ronds? C'est là où tu récupères tes items. Ah, ça, pardon! Alors, c'est des coups de main de Nico, enfin, c'est des duplicateurs de champions. Donc le bleu permet de dupliquer les champions 1, 2 et 3 gold. Donc qui coûte 1, 2, 3 gold. Genre Poppy, Shen, Panthéon, Sivir, Lucian, Ezreal. Enfin tout sauf TF quoi. Et lui c'est n'importe quel champion. C'était les coups de main de Nico avant, maintenant ça s'appelle duplicateur de champions. Bon, je suis quasiment level 8, 50 gold. Remets-nous voir une Marlène. Allez, on met une autre photo de Marlène pour YouTube. Celle-là, c'est ma préférée, ça. C'est Marlène, la République, c'est moi. Je préfère TF2 que le coolman Nico. On va regarder le coolman Nico pour les légendaires. Magnifique. Vivement, vivement à la sortie du numéro de Playboy, quoi. C'est du leak ça, c'est BFM qui a leak je crois. Ce sont des vraies photos. Non, c'est des vraies photos qui sortent demain dans Playboy. Certaines idées de la France. Certaines... Je ferais pas un GS, on fait pas Ginzo sur TF, on s'en branle. Vas-y. Pour l'instant... Je pense qu'il faut qu'on trace au 9 hein. Alors effectivement à cette occasion j'ai découvert que Playboy ça existait encore. J'avais pas entendu parler de Play... Non parce que la belle opération c'est quand même Playboy quoi. Je savais pas que ça existait encore quoi. Non, parce qu'en vrai, si on faisait le Nico sur TF. Après je peux lâcher quelques rôles au 8 mais ça fait chier. Parce que après si on lâche 4-5 tours de slow roll 8 on va finir par trouver le Ezreal c'est sûr mais bon. On est tranquille en vrai. On va voir si je gagne ou pas quoi. Enfin, je pense pas que je gagne là si. Ouais le stuff sur TF ça va être quand même être mieux je pense hein. Oh, ils sont sur pas mal de Lucian ouais. Ok. Bon pistommage on s'en branle du coup je pense. Arc axiomatique pareil. Bon, en vrai j'ai plein de persos à stuffer, allez du coup, parti. Atrox ? Ouais, Atrox c'est infinitime. Ok, je trouvais Fiddle, bon. Merde, j'ai trop d'items. Par contre, c'est de la merde, y'a que des gangans dégueulasses là. Ils sont pas ouf les items que j'ai eu d'ailleurs. Ça, c'est pour le Ezreal ça. Bien avoir TF2 en vrai. Ah, j'ai mort de Kaiser aussi. Je sais pas ce qui est le mieux entre les deux. Bon, Fiddle c'est plus marrant en vrai, vas-y. Je vais laisser Fiddle. Bon, après, mort de Kaiser c'est sympa, il fait tomber des immeubles dans la gueule des gens, mais. Fiddle ça fait du CC, c'est bien. Donc évidemment on regarde le Lucian Je vais slow roll un peu au 8. Si on peut trouver TF c'est bien. En fait on peut trouver TF et on peut aussi trouver Ezreal évidemment. Et on peut trouver le deuxième Fiddle pour Fiddle 2 aussi. Donc bon. Et c'est vrai que Mordekaiser a dit que c'était la brave M. Genre Mordekaiser c'est un CRS. Et grâce aux nouvelles doctrines de maintien de l'ordre du préfet de police de Paris, maintenant la doctrine de maintien de l'ordre c'est de faire tomber les immeubles sur les manifestants. J'ai presque chaîne 3. Ce qui est très fort parce que du coup ça veut dire que on a deux chaînes 3 avec l'augmente, enfin avec Infinitime. Surtout que je peux le Nico avec ça. Pourquoi j'ai un Atrox d'ailleurs, Simon là. Ils sont bons les Atrox hein.
Nu. De toute façon, ce chaîne là, c'est le Ezreal plus tard, de toute façon. J'irai plus haut que cette montagne de douleur. De toute façon, le Lucien va continuer à case, donc il va nous emmener tranquillement au level 9, on n'est pas pressé. J'ai envie de dire, plus on traîne pour passer au level 9, plus on profite quand même de l'augmente de Lucian. Parce qu'une fois qu'on est 9, l'augmente de Lucian sert plus à rien quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'il faut pas se précipiter. Oh, Fidel il a statique plus étincelle, what the fuck. Ah, par contre, je me fais casser la gueule un peu quand même là, non? Ouais, peut-être va falloir se chauffer un peu à stab. Un peu plus quoi. Surtout que j'ai des belles perspectives grâce à, notamment à ce coup de main de Sarko. Sinon, on chope Ezreal, on en parle plus comme ça. Dommage. Bon, j'ai eu le mort de Kaiser, ça permet de faire un croc du dragon sur le chêne, notamment, je pense. Tiens, t'as testé la convocatrice. Ah, la nouvelle augmente qui donne MF Samira Draven là. Puis c'est Spat, c'est marrant. C'est sympathique, je sais pas ce qu'il aura fait. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Bon. Est-ce qu'on n'est pas suffisamment stable comme ça? Peut-être un petit Garen pour aller avec le chêne, je sais pas. Voilà, c'est peut-être mieux ça. Voilà, là on est ok. On trouve pas qu'on est ok là le chat là? Bon, la civière 1 porte le stuff. C'est vrai que je pourrais mettre Samira, non? Ouais, si, ouais, la flemme. Bah, un peu la flemme, j'avoue. Je trouve qu'on est ok de Chia, vous en pensez quoi? Peut-être qu'on aurait dû entrer la brave M peut-être. Niveau maintien de l'ordre, c'est mieux que Fiddle. Parce qu'on connaît pas trop la doctrine de maintien de l'ordre de Fiddle, mais c'est un épouvantail, tu vois. Genre il fait peur, mais il fait rien après quoi, tu vois. Fiddle 2, c'est la grenade des encerclements, la spécialité. Mais tant qu'il est A. Bon, j'arrive à gagner mes fights. Ah, on est pas mal là quand même. Hein. En fait, en allant 8, on sécure quand même. Tu vois, on y est presque là. En allant 8, on sécure quand même pas mal le fait de. Ma foi. En allant 9, pardon, de choper au moins notre Ezreal. Et ça fait toute la diff. Hein, le set multivers, c'est crackbrock. Crackbroken. Y'a un mec qui est exactement comme moi là, lui là. Sauf qu'il a déjà trouvé Ezreal. En fait, au level 7, il a trouvé Ezreal et Fiddle. Oui ou non? Bah, c'est lui qui a pris Ezreal au carreau là. Merci beaucoup, Goodlux 1319. Merci beaucoup pour la Prime, mec. Bah, lui, en fait, il est que level 7, mais bon. Comme il a Ezreal et Fiddle plus les 7 Infinitim, je vois pas à quel moment je le bats, quoi, du coup. Après, lui, il a pas un Fiddle 2 comme moi. Il a pas un TF 2 comme moi, mais bon. Ça dégoûte ce fight en vrai. Hein. Ça c'est les. Ah, ça dégoûte les mecs qui ont l'Ino 7 et qui ont touché des légendaires que tu cherches quoi. Ça dégoûte en vrai. 34 PV, ouais. Faut pas traîner là quand même. Il s'agirait de pas traîner quoi. Ça passe si j'enlève TF. Parce que du coup Lucien il stack pendant ce. Est-ce que ça passe comme ça ou pas? Parce que Lucien il stack. J'espère que j'ai assez de dégâts, j'espère. Je crois qu'il stack, hein. Je pense. On va voir, il va caster une troisième fois là. Ah, il stack pas pendant le PVE, ok, ça marche pas. Bon. Au moins on est fixé maintenant. Il casse pas pendant le PVE. Au moins que j'ai. Ah putain, j'ai pas beaucoup de gold. Hein. Ah, c'était chaud en vrai. Ouais. C'est pas fou parce que si j'ai pas d'Ezreal, c'est la merde en fait. Hein. Mais d'accord, mais il restait plus que ça comme item. Ah, non, c'est pas... C'est un peu la merde. Bon, après, la Janna est cool en vrai pour TF. J'espère qu'on va pas se faire niquer.
C'est vraiment en train de se faire niquer là en vrai. J'aurais peut-être dû all-in 8 hein, en vrai. Fiddle ça va être du bait. Non mais Fiddle 1 c'est nul. Mais bon comme mort de 1 quoi. Non mais non seulement c'est nul mais surtout il est pas, je suis pas encore en 7 quoi du coup. Enfin, c'est clairement pas le problème de Fiddle là en vrai. C'est surtout ça le problème quoi. Je crois qu'on est en train de se faire baiser, je crois, le chat là. Ah, ok, j'ai pas besoin de le Nico du coup. Ah merde, attends, du coup, parce que ça veut dire que je dois vendre Janna éventuellement. Oh, mais du coup, je peux pas. Bon, je garde mon Nico pour autre chose, mais j'aurais bien Nico Janna aussi. Tant pis. Ah, le problème, c'est que tant que je suis pas en 7 dans tous les cas, c'est la merde en vrai. En fait, tant que j'ai pas le Ezreal, c'est vraiment la merde quoi. Du coup, j'ai un deuxième Mordekaiser 2. Full stuff, du coup, celui-là. Mais il fait que 60% des dégâts. Il ferait 95% des dégâts si j'étais enfin level. Enfin, level 9. Je suis level 9, mais si j'avais enfin. L'autre Trouduc là. Ok, l'autre Trouduc d'Ezreal. J'ai pas envie de lock le Ez en vrai. Je vais pas vendre la civière parce que la civière, il faut absolument que je puisse la. Après, cela dit, j'ai un coup de main de cost en vrai. Que j'utiliserai plus du coup. Avec nous, les prévisions météo sont toujours justes. Putain, ah, mais non, rentrer là-bas même, c'est vrai. Ça reste du stuff ok tir en vrai. Mais voilà, tant que j'ai pas le Ezreal, faut que lui il meure en fait là. En fait c'est devenu un truc grave contest en fait. Oh oui non c'est clairement mieux de stuffer les mordes en vrai. Enfin le mord du coup parce que l'autre il arrive stuffer automatiquement évidemment. Ok je vais le sortir lui. Donc il va rendre un Ezreal dans le shop. Mais ouais c'est vraiment énorme diff le fait d'avoir le Ezreal sur le board quoi. Y'a pas de Ez. Au secours cette game quoi. J'ai pas lenti là, Morello Janna c'est pas mal en vrai. Ah, si j'ai Sunfire Board non. Non j'ai pas. Je peux Morello sur Janna en vrai. Ok. Ezo Karou était pas là. Mais c'est celui qui l'a eu au level 7 qui dégoûte là. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. C'est que j'ai. Bah, c'est lui qui dégage, ouais. C'est que j'ai un vieux Garen depuis tout à l'heure. Oh, c'est la merde. Oh. Non, mais en vrai, je vais me faire niquer. Genre, c'est écrit là. Genre, c'est déjà écrit que je vais me faire niquer en fait là. Si vous avez pas vu que c'était écrit, franchement, c'est que vous avez une mauvaise vision. Ah, c'est déjà écrit quoi. Merde, j'ai pas bougé la Janna. Bon, je vais pas mourir sur un fight dans tous les cas, mais. Bon, j'ai bien fait de bouger le reste parce qu'il y avait le Warwick qui arrivait à bride abattu. Mais... C'est fort le double board de Kaiser, mais imaginez maintenant si j'avais les 7. C'est encore plus fort quoi. Ça devrait être tellement plus strong bordel, j'ai envie de mourir. Mais il a déjà fait bordel, au secours. Au secours, tuez-moi. Tuez-moi. Non, erreur de question. Non mais là, je refuse. Non mais écoutez-moi bien, je refuse. Je refuse de bottom cette game. Hein. M'entendez ou pas? Non mais il est hors de question. Ne me dites pas que je vais bottom cette game. Hein. C'est hors de question quoi. Genre ça n'arrivera pas quoi. Non, c'est hors de question quoi. Là, c'est hors de question. Cette vidéo sortira sur YouTube et ce sera un top 1 et rien d'autre en fait.